Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Pas où il a battu. C'est pas vous là qui avez besoin de meilleur. Qui va la plus rouler? Arrêtez le ministre de la Justice là. Abonne-toi. 4e. Arrêtez vous acter. Arrêtez la police là. Abonne-toi. 6e mounan. Je dis à nous que communauté internationale là. Chat ça, il y a mettre. Chat là, il y a mettre. Papa, chat là, manger chat là. Je dis à nous mettre dans la politique. Nous disons pas qu'on fait ça. Et je dis à nous camper pour une communauté internationale là. Nous faisons soit l'ambéa et nous camper derrière. Nous disons tout pour ça, je dis à. Parce que Haïti arrive dans le moment là, il faut que pas de sécurité dans le pays. Pour les gens dire que c'est chef de la police, pour dire que c'est sécurité par le national. Pour faire contrôle, pour manger. Manger, le président. Et la petite encore, ce dia, côté de l'église, manger Jovenel Moïse. Côté de l'église, si côté assassiné, dans chaque Jovenel Moïse. Jovenel, violé, par votre famille, par votre papa. Et je tiens à le camper pour le monsieur. Attention! Tout le monde a fait, nous sommes tous gardés. Mais alors, tout le monde a fait parce que je dis, pas de justice, pas de justice, papa Chalma, il va la prison. Merci à vous. Parle Jovenel, faut nous tâcher notre justification, mais le bouche Gabriel Fortuné, pour le savoir nous, qui est-ce qui parle Jovenel Moïse. Parce que nous-mêmes, militants, c'est pas pour ça que nous avons besoin de Jovenel Moïse. Oui. Nous t'avons besoin Jovenel pour le aller, pénitentiaire national, pour te rendre compte, pour massacrer l'hiver, pour massacrer la saline, pour massacrer Tokyo, pour massacrer Belé. Parce que Jovenel fout les top sans l'envers. Merci. Je dis à. Comme homme d'État, citoyen qui respecte la justice, il était invité nous, venir à Parkea, concernant l'assassinat du président Jovenel Moïse. Nous devons dire que nous ne connaissons rien de question assassinat, et d'ailleurs c'est ça que nous dit à la commissaire là, qui pose des questions et que nous répondons. Nous regrettons en pile que il a assassiné le président. Parce que nous-mêmes, nous sommes démocrates, nous sommes en opposition avec le pouvoir, mais dans l'opposition, c'est l'arme de la dialectique. Et dans ce sens-là, dès le matin 7 juillet, nous sommes condamnés à l'assassinat à travers une note de Diepod et à travers une note de toute l'opposition. Nous toujours connaissons que nous-mêmes, nous avons toujours persécuté nous. La question politique. Et nous dit que à persécution, nous toujours répondons par courage. Courage, parce que à chaque fois que la justice a brûlé nous, n'a toujours vini. Parce que la justice, son institution, même si nous connaissons faiblesse, n'a toujours vini. Parce que l'institution, ça, on joue quand même, il faut le renforcer.
comme démocrate, nous même ça qui est important pour nous, son pays qui doit marcher, c'est le monde qui doit avoir résultat. Ce n'est pas violence qui pour agir, ce n'est pas assassinat. Encore une fois, nous condamner. Et dans la démocratie, c'est résultat pour le monde. Et moi, toujours dis ça. Moi-même, comme sénateur, première fois, nous avons eu résultat. Surtout au niveau de la justice, là, côté de Mouté CSPJ, ranger statut magistrat. Comme sénateur, tout, côté que nous avons fait enquête. Donc, c'est résultat, nous condamnons. C'est institution, nous voulons renforcer et nous condamner toute violence. Et nous dit, la justice et la police prennent toute disposition pour que eux-mêmes, ils ont fait bonne enquête et joignent justement le monde qui fait acte crapuleux ça. Je dis à la nation à vivre une situation extrêmement difficile. Et que nous-mêmes, qui c'est le monde qui a fait politique, qui a visé, nous pas arrêter bouche bée comme parti politique qui appelait pour la prise du pouvoir et pour des changements réels dans la société. Foule pas un petit monde petit. Foule, c'est des dirigeants responsables. Nous travaillons sur le terrain pour nous concrétiser les monde qui étaient fondés par ça. Eh bien, comment on y fait politique? Vous rappelez-nous dans la nuit du 6 au 7 juillet là, un crime crapuleux que rentre la caille au président en fonction. Ou assassiné sous cabane. Madame lui blessé gravement grave. Nous voyons ces parties nous, la famille président celle-là, et Martin Moïse et Petit Li, et tout le monde qui t'a collaboré, que haïtien en général, côté remet Jovenel Moïse, qu'on patre Mel, je dis à nous sales, je dis à nous pas prendre nous pour moun encore. L'an depuis de toute bagaille, nous faisons un pays ça. Je nous traîne pays ça dans la boue. Que pour un président, premier citoyen nation, la caille qui t'a donné toutes conditions remplies pour sécurité. Il a dit comment de rentrer la caille à tuer. Et que même un chien, la caille président, pas blessé. Donc, dans quel pays n'a fonctionné? Pas besoin de position personne. Comment tu es face à Jovenel Moïse? Mais c'est président ici, elle dit. Et je dis, regardez comment le monde entier a parlé de nous. On va y aller fond total. Donc, ça l'a dit nous-mêmes, la foule. Ça va pas passer comme ça. Parce que nous-mêmes, nous faisons politique. Nous prenons l'élection. Parti nous a renforcé. Je dis, nous avons représentativité, nous. Dans 7 départements dans le pays. Parce que dans toute commune, foule représentée. Nous, dans la diaspora, eh bien. Nous appelons tout pour aller à l'élection, pour nous gagner l'élection, quel que soit le niveau. Alors, comme ça, pour nous lever, pour nous venir, pour nous prendre nous, pour nous tirer, il y a 3 unités dans le palais national qui sont responsables de la sécurité président. Comment ce n'est pas en premier lieu que pour nous attendre, nous attendre. Alors, il y a appelé que chaque moment pour haïtiens, pour nous mener, pour dégouder, pour nous des situations misères, nous trahir propre tête, nous. Mais qui haïtien, ça pas révolté. Donc, nous-mêmes, dans la foule, nous exiger que je ne vrai coupable auteur intellectuel yo. C'est moment pour nous reposer tête nos questions hein? Pas de monde qui était d'accord Jovenel Moïse mourir la condition ça mais les mourir mais c'est occasion pour nous poser tête nos questions qui pays nous voulons faire est-ce que nous voulons recommencer tout bon vrai c'est pour nous faire bal avec tête reposer tant que nous même nous demander nous exiger c'est chita long dialogue. Là, on entente sans courir, bouillir vider, pour nous jouer un consensus. C'est tout le monde chita. Sans exclusion. Tout secteur de la pays, c'est pas personne qui vous prend devant. C'est ça et pour lui, c'est pas pour lui. Ou bien c'est blanc qui vous venir faire nous chita, l'équipe de parler, qu'on a pour mettre face à face, pour dire, eux-mêmes, mais qui pouvoir après le faire. C'est nous haïtiens d'abord,
Oui, nous avons besoin de support étranger qui a toujours avec nous. Mais nous, haïtiens, d'abord, qui pour mettre nous ensemble pour nous dire, mais comment la paix? Et ceci, même si vous voulez commencer, après on dit, non plus jamais, pour nous suspendre, mourir dans le pays. Et pour nous profiter, résoudre le problème matissant, résoudre le problème quartier de nos droits côté bandit prend lieu. C'est pour nous résoudre le problème une fois pour toutes. Nous avons un pays malade, nous n'avons aucun côté nous qu'un pays. Si qu'on sent ça fait que pour nous repenser le bagaille. Cari fratelli, chers frères et sœurs, ces derniers jours, ma prière a été adressée souvent à Haïti après l'assassinat du président et la blessure de sa femme. Je m'unis à l'appel des évêques de ce pays à déposer les armes, choisir la vie, choisir de vivre ensemble, fraternellement, dans l'intérêt de tous et dans l'intérêt des autres aussi. Je suis proche aussi au peuple haïtien. Je souhaite que la violence s'arrête et que la nation puisse reprendre le chemin vers un avenir de paix et de concorde. Aujourd'hui est le dimanche de la mer, dédié tout particulièrement aux marins. La mer qui est leur source de travail et de soutien. Je prie pour eux et j'exhorte tous à avoir soin de l'océan et de la mer. Soigner la santé de la mer. Pas de plastique dans la mer. Je me souviens et je bénis. Je bénis tous ceux qui en Pologne participent au pèlerinage de la famille de Radio Maria au sanctuaire de Częstochowa. Aujourd'hui, on célèbre la fête de Saint-Benoît, abbé et patron de l'Europe. Je vous demande d'applaudir Saint-Benoît. Et nous faisons tous nos voeux aux bénédictins et aux bénédictines dans le monde entier. Et l'Europe, qu'elle soit unie dans sa valeur, dans ses valeurs fondamentales. Et à vous tous, je souhaite un bon dimanche. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas. C'est une vidéo qui date d'août 2011. Sur sa très confidentielle chaîne YouTube, 44 abonnés, Christian-Emmanuel Sanon accuse les dirigeants d'Haïti d'être corrompus et de piller le pays, puis il se positionne en recours potentiel. 10 ans plus tard, le nom de ce médecin de formation installé aux États-Unis ressurgit de manière spectaculaire. Après avoir commis leur crime, la première personne qui a été contactée par les agresseurs est Christian-Emmanuel Sanon. Il a contacté 2 autres personnes qui sont impliquées. Au fil du temps, de plus en plus d'informations l'ont désigné comme commanditaire de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Christian-Emmanuel Sanon serait arrivé à Haïti fin juin en avion privé avec des objectifs politiques, selon les mots du chef de la police. Escorté par plusieurs ressortissants colombiens, Sanon les aurait recrutés auprès d'une compagnie vénézuélienne basée en Floride. La mission confiée à ces hommes était initialement d'assurer la protection de l'individu nommé Emmanuel Sanon. Mais par la suite, la mission a changé. Les prétendus gardes du corps colombiens, les voici, arrêtés par la police la semaine dernière. Tous auraient participé à l'attaque contre le palais présidentiel. Selon ce quotidien américain, le commando de 28 hommes devait capturer le président Moïse et installer à sa place Christian-Emmanuel Sanon. Une dizaine d'assaillants présumés pour toujours. De son lit d'hôpital à Miami, la veuve du président, blessée dans l'attentat, s'est félicitée des avancées de l'enquête et elle a adressé un message aux Haïtiens. On ne peut pas laisser le sang du président Jovenel Moïse, mon mari, notre président que l'on aime tant et qui nous aime en retour, couler en vain.
Martine Moïse annonce vouloir poursuivre les batailles de son mari, une prétendante au pouvoir de plus, alors que déjà deux premiers ministres et le président du Sénat se disputent l'intérim à la tête du pays. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché, écoutez qu'à attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son babé zap chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.